Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais faire une vidéo d'un format un petit peu particulier puisque eh bien, je vais vous faire un retour d'expérience objectif, vraiment, sur une formation que j'ai suivie. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, je ne suis pas très coutumier des formations sur le web. A priori, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'accroche et donc en gros, je dois en suivre à peu près une par an et tant que faire se peut, j'essaye de la sélectionner au maximum. Et donc cette formation dont je vais vous parler, alors je ne vous en parlerai pas si je n'avais pas accroché à cette formation, donc partez tout de suite du principe que si j'en parle, c'est une bonne formation et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. On va partir d'un petit constat. Franchement, en 2018, mais ça a commencé en 2017, pour trouver une formation sur Facebook qui tienne vraiment la route, il fallait vraiment s'accrocher. Et j'ai même pas envie de parler de qualité de formation, mais pour trouver, on va dire, des points de différence entre les différents formateurs, c'était vraiment devenu compliqué. Ça l'est de plus en plus, puisqu'à chaque fois que je me connecte sur YouTube, eh bien, je vois un nouvel acteur, on va dire, dans le domaine de la formation sur Facebook, en dropshipping, donc Facebook Ads, eh bien, qui vient de naître. Et je me mets à votre place et c'est quand même un truc de ouf en fait pour savoir vers qui aller. Et donc c'est devenu beaucoup plus une guerre de branding, okay, de personnification, de charisme, bien plus qu'une guerre, on va dire, de formation, quoi. C'est-à-dire c'est une guerre de formateurs bien plus qu'une guerre de formation. Et donc c'est devenu compliqué. Et je suis tombé sur une perle il y a de ça pas très longtemps et c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Donc concrètement, donc la formation, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est celle de Baran Baker. Ok, et Baran m'a intrigué à plusieurs égards, notamment parce qu'il a un groupe Facebook, okay, qui s'appelle Dropshipping Action. Il me semble que c'est ça son nom, mais à chaque fois, je suis pas énormément sur Facebook en fait. Hein, vous l'avez remarqué, je poste pas toutes les 5 minutes. Et à chaque fois que j'ai été, on va dire, notifié d'une nouvelle vidéo sur son groupe, j'ai toujours été sur le cul en fait par la qualité qu'il donnait à travers ses tutos gratuits qui valaient bien souvent plus que eh bien, des formations que vous pouviez payer par ailleurs. Et d'ailleurs, certains ne s'en sont pas privés puisqu'ils ont, on va dire, assimilé ces tutos gratuits pour en faire des formations payantes. Mais enfin bon, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Et toujours est-il que, eh bien, à travers ce contenu gratuit et vraiment de qualité, c'est-à-dire que vous ne le retrouviez pas ailleurs, eh bien, Baran m'a intrigué. J'ai eu la chance de rentrer en contact avec lui à plusieurs reprises, voilà, lors de discussions privées, et eh bien est né chez lui l'envie de faire une formation pour essayer de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Et j'ai envie de dire, c'est mission réussie. Alors, il faut savoir que Baran, c'est pas quelqu'un, on va dire, qui vient du monde du spectacle, et donc reste, somme toute, assez discret, et le bouche à oreille est en train d'opérer, et c'est plutôt très bien pour lui, parce que, eh bien, il le mérite. Et je vais vous faire un petit descriptif de sa formation. Ok, je l'ai suivi, on peut pas dire que je sois né de la dernière pluie, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai vraiment surkiffé. Alors, premier point, eh bien, ne serait-ce que dans le module d'introduction, alors c'est le genre de module que je n'écoute jamais parce que, eh bien, ça me gonfle, ne serait-ce que dans ce module-là, j'ai appris, eh bien, deux, trois petits tips qui vont me servir pour la suite. Et donc, écoutez ce module d'introduction, c'est de l'introduction, mais à la fois, c'est ultra consistant. Ensuite, sur la recherche de produits, eh bien, vous allez avoir, alors là, à ce niveau-là, ça va être une espèce de révélation. Pourquoi ? Parce que, eh bien, si vous aviez du mal à trouver des produits, eh bien, vous saurez exactement quoi faire pour en trouver. Et si vous étiez, on va dire, déjà dans une phase où vous faisiez un petit peu d'argent, eh bien, vous comprendrez comment en faire beaucoup plus et ce qui fonctionne, voilà, réellement sur Facebook. Vraiment, c'est un module où Baran va vous donner, on va dire, une clé énorme, en fait, pour essayer de viser juste systématiquement. Voilà. Donc, c'est une méthode qui, même si elle ne semble pas, si vous voulez, on ne va pas parler de growth hacking, on ne va pas forcément parler d'automatisation, enfin de trucs un petit peu pointus, vous allez voir que vous allez avoir une véritable révélation si vous cherchez à faire de l'argent sur Facebook et en dropshipping et qui viser. Vous allez comprendre en fait eh bien, que les produits que vous allez vendre vont avoir une corrélation extrêmement forte avec le persona que vous allez cibler. Une fois que vous avez ça, vous avez, j'ai envie de dire, à peu près tout. Ensuite, sur la partie création de publicité, je n'ai jamais vu un tuto aussi bien fichu. C'est-à-dire que, en gros, eh bien, vous suivez exactement ce qu'il donne dans ces différentes vidéos et vous avez une pub qui est vraiment ciselée aux oignons, c'est ça qu'on dit. La publicité est vraiment faite pour fonctionner en fait. Vous allez voir, et là pour le coup, qu'il y a des détails, des réglages à mettre en place sur votre publicité qui vont faire une différence évidente avec l'ensemble de vos concurrents, avec l'ensemble de ce que vos concurrents ont pu apprendre lors de, voilà, diverses formations. Vraiment, c'est un module qui est exceptionnel. À ce niveau-là, ça n'a jamais été aussi clair. Ensuite, il va parler, eh bien, de
l'analyse des publicités. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est encore à nouveau de l'ordre de l'exceptionnel au niveau de l'analyse des performances des publicités. Donc, ça fait vraiment partie du package hein, quand on cherche à faire du dropshipping sur Facebook Ads avec du trafic payant. C'est vraiment important de savoir analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous avez une méthode vraiment ultra complète que je n'ai jamais vu vraiment nulle part ailleurs en fait, et du coup vraiment ça m'a parlé, et pourtant je suis pas un fan de l'analyse des data à la base. Là c'est vraiment, c'est clair, c'est propre, il n'y a plus qu'à appliquer et c'est différent de ce que la masse fait. C'est encore une fois un très bon point. En ce qui concerne la méthode de scaling, eh bien, je vais me répéter, mais en fait, eh bien, sa méthode, hein, c'est pour ça qu'il l'a appelée la méthode Baran Baker, je ne l'ai jamais vue ailleurs non plus. Et pour le coup, si vous tombez sur un produit qui fonctionne, dites-vous bien que vous allez vraiment tout déboîter. Et c'est vraiment la conclusion que je me suis faite à l'issue de la formation, c'est que, putain, c'est vrai, ce mec donne toutes les clés, les vraies clés que vous ne trouvez pas ailleurs, eh bien, pour que ça fonctionne, que ça cartonne pour vous sur Facebook. Donc je vais arrêter le détail de la formation comme ça, parce que je pourrais en parler pendant très très longtemps, ne serait-ce qu'au niveau des bonus que Baran offre. Il offre un bonus sur YouTube organique et YouTube Ads. Le bonus sur l'organique est tout simplement magique. C'est-à-dire que rien que ce bonus-là coûte son pesant d'or. Ok, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler la formation. Je sais à quel point c'est désagréable quand on est formateur, mais vraiment vous allez vous régaler si ne serait-ce que sur ce bonus en fait qui est de l'ordre du bonus, mais qui est énorme. Pour l'aspect humain, eh bien voilà, vous savez que moi j'accorde pas mal d'importance en fait au côté humain, voilà, avec les personnes avec qui je travaille, et je peux vous dire que Baran est quelqu'un de très humain, quelqu'un de très discret, une qualité eh bien, que j'aime bien aussi, en fait, que j'apprécie, et c'est quelqu'un qui est vraiment là, on va dire, qui a sorti une formation vraiment dans l'idée d'aider les gens qu'il va accueillir à travers sa formation. Alors, ça semble bête de dire ça, et effectivement, c'est une formation qui est payante, on va pas se le cacher, mais je peux vous dire que vous pouvez très bien sortir une formation payante tout en ayant derrière la tête quand même le sentiment eh bien, que vous allez apporter une véritable valeur ajoutée aux gens qui vont vous faire confiance. C'est vraiment pas incompatible. C'est vrai que le message est parfois un petit peu parasité. Voilà, et c'est comme ça. Hein, je veux dire, à un moment donné, eh bien, il faut savoir faire son choix au niveau du formateur, tout comme il faut savoir faire ses choix une fois qu'on est face à son écran et qu'on lance un e-commerce, mais vraiment, en tant que personne humaine, c'est quelqu'un qui vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous rapprocher de Baran Baker et de sa formation si eh bien, vous faites un petit peu d'argent, ou si vous n'en faites pas, ou si vous en faites beaucoup, eh bien, dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous. Vraiment, il y a des méthodes et des astuces que je n'ai pas vu passer j'ai vu passer vraiment nulle part ailleurs, quoi. C'est vraiment un truc de ouf avec tout ce qu'on voit sur Facebook, sur YouTube. Finalement, on se rend compte qu'on est dans une espèce de soupe un peu tiédasse, mais qu'il y a encore des choses très très intéressantes à faire, même si eh bien Baran est focus à 100% sur Facebook et ne touche pas à Google. Personne n'est parfait. Donc voilà, je vous invite vraiment à en profiter là tout de suite, maintenant, avant eh bien que d'autres formateurs s'accaparent les techniques de Baran. D'ailleurs, Baran va mettre des barrières, vous allez voir, je vais vous en dire plus juste après, mais vraiment profitez-en tout de suite avant eh bien que cette information soit finalement cannibalisée et retranscrite par bribes par d'autres formateurs qui eh bien du point de vue du branding et de la persuasion commerciale sont plutôt doués. Essayez systématiquement d'aller chercher voilà l'information à la source, d'où elle vient, et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de difficultés à trouver des bonnes formations. C'est vraiment là-dessus que je veux accentuer. Trouver des bonnes formations, c'est un job en soi, en fait. Ça nécessite des compétences, et voilà. Et c'est jamais simple quand on débute et qu'on débarque sur YouTube. En tout cas, voilà, pour ceux qui écouteront ma vidéo, voilà, tout le monde n'écoute pas mes vidéos, vous avez le retour objectif de quelqu'un qui connaît, on va dire, globalement le web, ok, qui sait à peu près comment les choses fonctionnent, et je peux vous dire que, eh bien, je vous recommande cette formation les yeux fermés. Je crois que c'est la première fois sur l'histoire de ma chaîne que je m'investis autant pour vous convaincre que oui, si vous êtes intéressé par Facebook, eh bien c'est le moment et c'est la formation à choisir. C'est là vraiment la formation qu'on attendait depuis 3 ans. Il y a trop de daubes hein, qui tournent sur le sujet de Facebook. Il faut être honnête, hein, je veux dire, à un moment donné. Demain, vous voulez faire de l'argent, peut-être je vais vous donner un super tips en fait. Hein. Allez écouter quelques vidéos sur YouTube et puis vous lancez-vous en tant que formateur et vous verrez que si, eh bien, si vous êtes bien coiffé, si vous avez une piscine derrière vous, vous arriverez à faire des ventes. Alors ça, c'est le tips de la journée. Maintenant, si vous voulez vraiment devenir e-commerçant et faire de l'argent avec Facebook, il y a des bonnes formations. Elles sont sous votre nez, mais eh bien, les gens n'en parlent pas suffisamment. En tout cas, le bouche à oreille commence à bien fonctionner pour lui et c'est plutôt tant mieux. Au niveau du timing, donc je vous ai dit que Baran en fait va couper l'accès à ses inscriptions bien plus tôt que prévu. Donc je suis un peu privilégié dans ce sens-là puisque bien j'ai l'honneur de vous l'annoncer. Sous 48 à 72 heures, il me semble, d'ici vendredi soir, eh bien les inscriptions seront terminées. Ok, alors que
à la base, c'était prévu pour fin octobre. Donc, je vous invite vraiment à vous précipiter, vraiment, et puis voilà, à tenter la chance. En tout cas, si vous avez l'ambition de faire de l'argent avec Facebook. Deux, trois petits points à préciser quand même, qui sont capitaux, pour pas que vous ne soyez déçus. N'allez surtout pas prendre cette formation si vous êtes un grand débutant, si vous ne savez pas installer un Shopify, si vous n'avez jamais mis le nez dans votre business manager. Ne prenez pas cette formation parce qu'on part tout de suite d'un peu plus haut, et ce qui fait que vous n'aurez pas ce que vous êtes venu chercher, à savoir des conseils de débutants. Mais à la fois, c'est tous ces conseils-là, hein, monter un Shopify et puis apprendre à manipuler un petit peu le business manager, gentiment, je veux dire, ça se fait en gratuit sur YouTube. Donc, à la fois, je vous déconseille de payer une formation pour ça, et je vous déconseille du coup de prendre celle de Baran si vous en êtes à ce niveau-là, puisque mécaniquement vous ne comprendrez pas la suite. Ensuite, deuxième point et non des moindres, n'oubliez pas qu'on est sur Facebook Ads, ok, qui est un média, enfin un vecteur de trafic payant. Et à ce titre, si vous voulez vous lancer, il faut que vous puissiez avoir quand même une espèce de sérénité au niveau du budget, voilà, sur lesquels vous êtes prêt à investir pour vous former et tester les méthodes de Baran. Si vous y allez avec 100 euros en poche, c'est pas la peine. C'est très important ce que je vous dis là. Ok, et pour finir, puisque je sais que vous aimez les chiffres, je vous invite à vous rapprocher de Baran Baker à nouveau et de son groupe privé. Bon, alors déjà, c'est une mine d'or au niveau des tutos. Vraiment, c'est gratuit. Son groupe privé est gratuit, même s'il filtre énormément, c'est gratuit. Vous y retrouverez des tutos qui valent son pesant d'or. Et à la fois, vous allez pouvoir fréquenter des gens qui sont vraiment discrets en fait sur le web et sur Facebook notamment, qui n'échangent pas, enfin qui sont pas ultra actifs sur Facebook, mais qui ont des chiffres de ouf. Et ce sont des disciples, j'ai envie de dire, des élèves, enfin bref, en tout cas des gens que Baran a coaché, et ça, c'est toujours un signe plutôt très encourageant. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu, hein. Vous voyez que c'est un format un petit peu différent de d'habitude, mais je trouve que c'est plutôt intéressant dans cette jungle qui est devenue finalement le monde de la formation. C'est toujours difficile finalement de savoir quoi choisir, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a priori a une vision un petit peu plus large que certains qui débutent ou qui sont plutôt dans une phase de prospection. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé et si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Je dis pas qu'il y en aura énormément parce qu'à un moment donné, il faut suivre les formations pour pouvoir en parler, et comme vous le savez, c'est pas forcément mon trip, mais voilà, en tout cas votre retour m'intéresse. Je vous ai mis un petit code promo qui est réservé aux gens qui regardent ma vidéo toi maintenant tout de suite. Ne tarde pas à en profiter puisque la formation va finir. Le code promo, il est en dessous dans la description ou pas loin, ou dans l'email que tu as reçu. Je t'encourage à faire les bons choix. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Ciao.